7 mois qu'ils attendaient ça. À la réouverture. Hein. Sans terre. Malgré la pluie, malgré le froid, ses clients se sont installés en terrasse sur la grande place de Tournai, dès les premières heures d'ouverture ce matin. On ne se souvenait plus de quand la dernière fois on avait bu un verre en café. Donc, on s'est dit, aujourd'hui, on l'a mis dans l'agenda, on s'est dit, on est rendez-vous à 8 heures, on a dit, on est là. C'est un jour historique pour nous. On s'est dit, commencer par un Italian, un petit Irish, histoire de bien se réchauffer, d'être avec les copains. Table de 4, parce qu'on n'a pas le choix, sinon on serait un peu plus. Car si les terrasses peuvent désormais rouvrir en Belgique, les restaurateurs et les cafetiers sont quand même soumis à un protocole sanitaire strict. On a 1,50 m entre chaque table à respecter, un maximum de 4 personnes par table. On a toujours un couvre-feu qui est de 22h. Et à table, les gens peuvent enlever leur masque. Quand ils doivent se déplacer à aux toilettes ou faire des paiements en caisse, ils doivent garder leur masque. À l'heure du déjeuner, les terrasses de la Grand Place de Tournai étaient déjà bien remplies. Parmi les clients attablés, plusieurs Français venus en voisin. On se prépare un petit peu avant de reprendre la semaine prochaine du côté de Lille, ça va être sympa. Donc là, on prend les bases. Il fallait absolument inaugurer cet événement, supporter voilà, les bars belges, montrer qu'on était solidaires et qu'on va, voilà, on va les aider à écouler les fûts. De quoi donner du baume au cœur des restaurateurs après 7 mois très difficiles. On est super content de voir les terrasses qui sont complètement bondées de monde. Donc oui, nous sommes très satisfaits. Vous y attendez quand même un peu, non ? On s'attendait à avoir du monde, mais on avait la crainte à cause de la météo qui n'est pas clémente aujourd'hui. À Tournai, comme dans toute la Belgique, la vie reprend doucement son cours, dans une ambiance de fête de la bière. Chez nous en France, il faudra encore patienter jusqu'au 19 mai pour s'asseoir en terrasse.